ce sont deux mères de famille qui réalisent, qui se rendent compte que leurs deux fils ont mis le doigt dans un trafic de drogue et qui vont essayer de les sortir de là. C'est ça le point de départ. Aline, mère de famille, professeure, mère de trois enfants, une femme à qui tout a réussi, qui a vraiment qui a tracé un chemin de vie et qui s'y est tenue jusqu'à maintenant. Et puis elle va se retrouver voilà, avec son petit dernier à devoir faire face à quelque chose dont qu'elle n'a jamais imaginé. Allô ? Oui, c'est mon fils ? Elle réagit dans un premier temps. Parce qu'elle a l'impression de comprendre le sujet, lui dire voilà la drogue c'est mal et ce que tu fais c'est mal et tes études et puis en fait au fur et à mesure, mais il est déjà trop tard, le piège et la nasse se referment sur L2 puisqu'elle est accompagnée de la mère d'un des camarades de son fils et elles comprennent qu'elles n'ont pas du tout pris la mesure de ce qui s'était passé. Alors ça m'étonnerait, hein. Ton copain t'es pas prêt de le revoir. Ça suffit là les conneries, non? Parce que c'est la faute de Samir, c'est ça? Elles sont pas prédisposées à se rencontrer, tout simplement parce qu'elles viennent de milieux sociaux différents. Mais ces deux femmes qui se ressemblent, ces deux femmes fortes, avec des convictions. Aline a une forme de toute-puissance parce qu'effectivement, elle est sur le haut du panier, qu'elle n'a pas de problème d'argent, qu'elle n'a pas de problème, qu'elle se dit toujours qu'il va y avoir une solution, que son mari est médecin. Il va se ressaisir. On peut lui faire confiance. Et pour le personnage que joue Alika, c'est très différent puisque elle vit dans une cité, qu'elle a très envie d'en partir et qu'elle n'a pas les moyens de le faire parce qu'elle est mère célibataire, qu'elle est seule à élever son fils. Hey, Samir, tu l'oublies, il n'a plus le droit de sortir. Et que ça vient vraiment d'une fragilité aussi des adolescents, d'une façon d'essayer de trouver l'endroit où ils vont devenir des adultes. On est au courant pour la garde à vue. Putain, mais l'angoisse, t'as dû tellement flipper. Ça va. J'ai rien balancé. Je vais devenir un caïd si je vends du shit à la sortie du lycée. En fait, le système, il est quand même beaucoup plus fort qu'eux, donc ils vont se faire écraser comme des mouches. Tu viens à mon anniversaire samedi? Ok. Tu peux nous avoir de la coke. Le film est fin, c'est que cette mère-là n'imagine pas du tout qu'elle a perdu le dialogue avec son fils. C'est-à-dire que c'est vraiment au moment où la bulle de confiance éclate qu'elle se dit mais à quel moment en fait ça m'a échappé. On se fait un ciné ce soir ou... Ah non, pas ce soir s'il te plaît, c'est l'anniversaire de Juliette et je suis invitée. Ah non, certainement pas. J'avais déjà travaillé avec Julien Boisselier, sur Chef. J'avais déjà travaillé avec Jules Houplin, qui joue mon fils. Donc cette cellule familiale, elle existait, même si c'était de façon fictive, elle existait déjà, on est très vite rentrés dedans. Ce qui permet d'aller plus loin aussi, plus vite. Mais il perd rien du tout, hein, sale petit gosse de riche égocentrique. À cause de lui, mes élèves ne me respectent plus. Il va même finir par me séparer de son père. Je crois que je commence à le détester. On n'a pas travaillé en amont avec Alika, on s'est rencontrés sur le tournage. Donc c'était qui tout double, très vite on a fait corps. Et même les super mamans ont le droit de décompresser. Ça a été un tournage de... très solidaire, quoi. Très fort, humainement très fort.